gagne, c'est normal. Je suis plutôt fort. On se fait ça en 3 points? Bon, en 5 ou en 10, même de toute façon, je vais t'éclater direct. Mais détends-toi. Oh, je suis détendue, je dis juste. C'est bon, non? Tu disais? Allez, joue. En fait, je crois... T'es nulle. J'ai gagné. Mais reviens, on commençait juste à s'amuser. T'es pas drôle. Quelqu'un veut jouer? Bon, on est encore loin. Parce que moi, j'ai vraiment la dalle. Oh, mais vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on est bientôt arrivé. Oh, tu as droit ta carte! Oh, mais c'est bon, t'as pas le feu au froc, si! T'es sérieux? Tu nous as perdus? La dernière fois que tu l'avais? Je sais pas, peut-être près de la rivière, j'en sais rien, moi. Bon, on fait quoi maintenant? Oh, c'est bon, je me saoulais, bande de gogol. Vas-y, tire-toi! Oh merde! Bon, allez, tu reviens et tu t'excuses. Et on n'en parle plus. Steve, t'es où? Regarde, regarde. Je peux attraper un Dracolos avec ça. Oh, super. T'es dégoûté parce que t'en as pas. Hein. Tes jouets, là? Jouets? Non, mais ça, ça marche. Bien sûr. Bon, ok. Tu te mets devant une bestiole que tu n'as pas. Tu dis son nom en le prononçant très fort. Et bam, la balle tremble, il y a une grosse lumière, et puis c'est bon, tu l'as attrapé. En le pensant très fort? Bah oui, sinon ça marche pas. Je peux essayer? Ouais, vas-y. Grosse andouille. Ça marche pas ton truc, hein. Tu t'es fait arnaquer. Go. Je m'appelle Lilou, j'ai 12 ans. Je m'appelle Maëlys, j'ai 13 ans et demi. Je m'appelle Aloïs, j'ai 12 ans, je suis au collège Albert Camus. Je m'appelle Nathan, j'ai 12 ans et demi, et plus tard j'aimerais être vétérinaire. Bah, moi j'ai une idée en tête. moi je vais faire dresseuse pour animaux, canines. Et ma mère elle veut que je fasse maîtresse. Bonjour, moi c'est Lola, je vais avoir 13 ans. Et je suis venue en vacances au Club Ado. On a fait un projet vidéo où on devait filmer comme au cinéma, avec des caméras, des micros. Bon, tu reviens, tu t'excuses, on n'en parle plus. Steve! Mais pourquoi il part? Bon, allez, tu reviens et on n'en parle plus. Tu t'excuses et on n'en parle plus. Non, ça marche pas. Oh, mais tu rigoles. C'était pas trop mal. Super. C'est lui, il est con. Oh, t'es doux. Ça tourne. Épisode 3, prise 3. Action. Bien sûr. Bon, ok. Tu te mets devant une bestiole. On commence à bon, ok. Ah, attends. Faut que je me souvienne. Attends. Okay. Regarde, regarde. Je peux attraper un Dracolos, okay, avec on ça. Commence. Oh. Et puis là, bam. La balle tremble. Il y a une
Grosse... Oh, j'aimerais pas, ça me stresse. Purée. La balle tremble, il y a une grosse lumière, et puis... Mais non, mais cette voiture... Allez, 1, 2, 3, et... Je joue avec vous, je joue... Je commence. Dans ce projet, ce que j'ai préféré, c'est passer un moment avec tout le monde. Ils étaient tous super bienveillants, et c'était super de passer devant la caméra, etc. Je me suis bien amusée. Quand j'étais devant la caméra, que je faisais les épisodes... Ça me plaisait bien. Ce que j'ai préféré, c'est jouer. Jouer, oui. J'aime bien être devant la caméra, m'amuser, si on peut dire ça. Des fois, c'est un peu compliqué de retenir le texte, mais sinon, ça va. Alors moi, personnellement, j'avais pris en compte, c'est pas dans le monde du cinéma, mais d'être auxiliaire animalière. Mais si un jour, j'aurais peut-être l'opportunité d'être actrice, ça me dérangerait pas du tout de jouer, etc. Ah bah, vous aussi essayez d'être acteur plus tard. Moi je préférais quand je filmais des gens, parce que c'était drôle. Moi aussi, et faire le clap. Pardon, la balle tremble, il y a une grosse lumière, et c'est bon, tu l'as gagné. Mais non, j'en ai marre, je dis n'importe quoi. Il n'y a même pas de baisse. Mais non. Il y a un coup, tu vois. Maintenant je sais comment on tourne des films, tout ça. J'en ai appris un peu plus. Donc ouais, c'était bien. Des fois il y avait plein de voitures qui passent, du coup c'était un petit peu gênant. Enfin pas gênant mais un peu embêtant et du coup on recommençait plein les scènes. Plein de fois les scènes. C'était un peu compliqué de monter la caméra. La caméra quand tu sais pas la monter c'est un peu... Surtout je me suis cognée en la montant. Il s'est pris la caméra dans la tête, voilà. C'était super drôle. La caméra est juste tombée sur sa tête et ça m'a fait rire. Il s'est blessé. Non, il s'est pas blessé quand même, le pauvre. Il a juste une bosse de 13 mètres. On va juste regarder un petit bout. C'était vraiment bien, j'espère refaire ça un jour. Bah j'ai passé un super moment. Voilà, c'était incroyable. Parce que j'ai très bien aimé. C'est la fin. Je vous aime mes fans.